Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un nouvel épisode de L'amour est dans la neige. Trois charmantes demoiselles devront gagner le cœur de notre célibataire mystère et passer l'hiver avec lui. Sans plus tarder, découvrons nos trois magnifiques candidates. Bonjour, j'ai décidé de m'inscrire parce que bien que je sois émerveillée chaque année par cette beauté qu'est la saison d'hiver, j'aime pas voir les arbres sans feuilles, les gazons sans les fleurs. Puis en plus, c'est pas pratique pour moi de méditer dans mon jardin. À moins 20, je ressens pas la communion. Alors moi, mon rêve, c'est de faire l'amour sur le bord d'une cheminée. T'as une minute. Oui, alors l'hiver, bah, c'est après l'automne, quoi. Et je me suis acheté plein de nouveaux maillots de bain, mais je vais pas pouvoir les mettre au beach club pour bronzer. Parce qu'il fait froid, vous comprenez? Alors que si je sors avec le célibataire, ben, je pourrais les mettre pour lui, quoi. Ouais, moi je voulais pas être là, ok? Mais mes amis pensent que ça me ferait du bien de rencontrer quelqu'un. Nous revoilà dans l'amour et dans la neige. Mesdames, vous allez répondre à trois questions. Tout d'abord, nous allons commencer avec Eva. Eva, quelle est votre activité préférée en hiver? Je voudrais faire du hot yoga avec le célibataire mystère, mélanger le chaud et le froid, le yin et le yang. Ben, moi, je reste chez moi. Et puis, je regarde des documentaires. Des documentaires comme La vie de Kardashian. C'est une source d'inspiration. Moi, j'adore mettre ma chatte à l'air. D'avoir se débattre dans la neige, essayer de rentrer dans la maison. Moi, j'adore ça. Très bien, merci beaucoup. Passons à la prochaine question de notre célibataire mystère. J'ai déjà fait mon choix. C'est la pitonne que je veux.